Esprit Saint, où c'est lumière à vie, moi, où c'est consolation, moi, dans vie mal à guerre. Esprit Saint, où c'est lumière à vie, moi, où c'est consolation, moi, dans vie mal à guerre. Songez bien. L'aime t'es baptisé, c'est où qui t'es fait, vive petit bon Dieu. L'ennemi non, ou même où qu'on est, moi-même moi senti, les toujours derrière moi. T'en prie, moi l'humain du feu. Amour n'en que moi, pour ne pas perdre pied. Esprit Saint, où c'est lumière à vivre, où c'est consolation, moi, t'en prie pas la guerre. Esprit Saint, où c'est lumière à vivre, où c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au mon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Esprit bon Dieu, descende sur nous. Maman nous Marie, la prière pour nous. Maman nous Marie, la prière pour nous. Marie, maman nous, viens porter secours. Marie, maman nous, viens tomber maintenant. Sous mon Golgotha, où t'es devant la croix. Jésus, maintenant, où? Oh Marie, même chanter fait l'antana.
Ou à côté Jésus, ou dit t'y infini, l'été côté voix, l'autre tourne du vin. Marie, maman, non, vine pour te secours. Marie, le maman, vine qu'un de mes sous mon Golgotha, où t'es devant la croix. Jésus, maintenant, amen. Première dizaine du mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Père, tout est possible. Éloigne de moi ce calice. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'Évangile Saint-Marc, chapitre 14, versets 33 à 36. Fruit du mystère, demandons le regret de nos fautes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au mon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Deuxième dizaine du mystère douloureux, la flagellation de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on saisisse Jésus et qu'on le frappe, que l'on fasse flageller. L'évangile Saint Jean, chapitre 19, verset 1er. J'ai entendu le dos à ceux qui me frappaient. Fruit du mystère, demandons la maîtrise de nos sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, Mère,
la Pâque sur nos pas. Nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Troisième dizaine du mystère douloureux, le couronnement d'épines. Ayant tressé une couronne d'épines, les soldats la lui mirent sur la tête. Évangile Saint Jean, chapitre 19, verset 2. Fruit du mystère, demandant l'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Marie, maman, nous venons joindre nous, nous nous trouver Jésus. Les nous va arriver, sombrer avec vous, Jésus, parle-nous. Jésus, l'air nous va
le portement de la croix. Jésus portait lui-même sa croix pour aller au lieu dire du crâne. En hébreu, Golgotha. Évangile Saint Jean, chapitre 19, verset 17. Fruit du mystère, demandons la patience dans les épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs.
cinquième dizaine du mystère douloureux, la crucifixion. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Évangile Saint-Luc, chapitre 23, verset 46. Après avoir poussé un grand cri, Jésus inclina la tête et remit l'esprit. L'évangile Saint-Matthieu, chapitre 27, verset 50, plus Jean, chapitre 19, verset 30. Fruit du mystère, demandons la conversion des pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au mon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pour la conversion des pécheurs. Notre-Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous et passe devant. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Supplique à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Les yeux fermés, Seigneur, le cœur ouvert, les bras ouverts, j'attends. De Marie, le divin a rencontré l'humanité. Mon mari, l'humanité a retrouvé ce qui a été perdu en Adam et Ève. Marie, la fille de Sion, celle que Dieu a choisie, a enfanté comme c'était prédit le sauveur du monde. Marie, la fille de Sion, celle que Dieu a choisie, a enfanté comme c'était prédit le sauveur du monde. Dans les entrailles de Marie, Dieu nous a donné l'alliance nouvelle. En Marie, demeure du Très-Haut, Dieu est venu habiter au milieu de son peuple. Marie, la fille de Sion, celle que Dieu a choisie, a enfanté comme c'était prédit le sauveur du monde. Marie, la fille de Sion, celle que Dieu a choisie, a enfanté comme c'était prédit le sauveur du monde. Thank you.
a-t-il pas d'autre choix en prenant la coupe que celui de marcher, d'avancer sur la route, le chemin de souffrance qui conduit à la joie, ou te suivre, y a-t-il que ce chemin de croix? Qui soupire sans doute, n'as-tu pas fait erreur dans ton choix de moi? Pauvre, tes faiblesses ne sont pas tes voix. Marie, Lémy, Valenboin et famille, Régine Conserve, Tarceline Xavier Bien-Aimé, Magali Charles, Marie Sylvain, Monseigneur Joseph Lafontaine, Père Lucien Pierre, Marisa Abraham, Marie-Rose Gabriel et enfants, Myrlène Gédéon et ses enfants, Clotaire Philogène, Madame Pétuel Cola et ses enfants, Roosevelt Oscar et famille, Docteur Maggie Civil Jones et famille, Larry Jones, Lourdes Civil, Sean Allen Jones, Taina Jones, Island Civil et son époux, Mimose Elmont et ses enfants, Jacqueline Bonheur et son enfant, Léon Dorset Destin et famille, Marie-Françoise Saint-Preux et enfants, Michael Spencer F. Vertus, Maëlle Spencia F. Vertus, Virginia, ses enfants Mike et Jerry Valcourt, Carida Desvarieux Désir et famille, Franchette Antoine, ses enfants et petits-enfants, Madame Pétuel Cola et ses enfants, Marie-Maude Victor, Tessélie Blémur, Félix Blémur, Marie-André Victor, Bernardson Louis-Jean, Marie-Armelle Victor, Anne-Christie Salima Villiers, Loudjmi Villiers, Samuel Jordan Villiers, Jean-Guismer Victor et famille, Naëli Lonforce, Yolène Lonforce, Anne-Sébert Barthélus, Margarita Enderjit. La liste des noms, Flétretaine, à Notre-Dame de Fatima, Marie-Chantal Maurice et ses enfants, Vivane Jacques, ses enfants et petits-enfants, Monique Mani, famille et petits-enfants, César et M. Marie Circe et famille, Rose, France et Pernelle Perville, Immaculée Bertil et ses enfants, Carida Desvarieux Désir et famille, Firmine Mathieu Almi et famille, Marie-Cécile Pierre et famille, Marie-Hélène Carina et famille, Sandino André, Anne-Christie Salima Villiers, Marie-Maude Victor, Tessélie Blémur, Félix Blémur, Marie-André Victor, Bernardson Louis-Jean, Marie-Armelle Victor, Loudjmi Villiers, Antoinette Vixama et famille. Messe d'action de grâce pour MDAB, Régine Marchat Raymond, Chanaël Pierre, Jessie Pierre, Marie-Patricia Bien-Aimée, Schneider Josapha, Midwensky Duméus, Stéphane Jean, Monalisa Jean, Matteo Julien Morisseau, Mario Emerson et Marcel Bouzy-Claude,
Claude, John David Garçon, Raymond François II, Luc René Gaël, Manuel Dominique, Elsie Saint-Hilien et enfant, Johnella et Naïla, Kervin Saint-Hilien, Diendi, Doudli, Déodate, Raymond et Théodore Denotte, Noémie, Rachel, Fabrice Hervé et Pierre-Michel, Hervé Guilit, Famille Valency et Jacques, Linda Jean-Louis, Frédéric Whitney et son épouse, Natacha Saint-Julise, les familles Bertrand et Prophète, W. Bertrand, Sarah, Saskia, Denise et Altagracia Content, Madame Lisette Jean-Louis, Estine Bassan et famille, Yvelle Bassan et famille en l'honneur de tous les saints, Madame Cupidon et famille, Anna Panfil et famille, les techniciens et musiciens de la chapelle Sixtine, les familles Delice et Louis Saint, Monsieur Madame Alec Mani et enfants, les familles Terrilien, Monsieur Madame Roosevelt Gervais et famille, Samantha Ashley, Shelby Saint-Hilien, Lina Beauvais, Christelli Romulus, la famille Lafontan, Janud M. Théodate, Benekia Eludia Poulard, Michael Jessica Meliska, Rosso Excellus, Wendell Auguste, Eline Gabriel et famille Chaperon, Anne Joannif, Willis Thermidor, Fortuna Maniga et famille, Marie-Nicole Dieu, ses enfants et petits-enfants, Dumel Célestin, Monsieur et Madame Valérie et Christopher Cyril, Luca Matteo Cyril, Gina et Alexa Lubin, Jeanne, Olivier, Carrie bien-aimée, Josie bien-aimée, Roland Lubin et famille, Michel Moussignac, Joshua Dauphin, Catherine, Marie, Tiffany, Laurent, Virène Perraudin, ses enfants, Steven, Paul et sa femme, sa fille Soleil, Régine et son mari, Madame Nicolas, Marie-Ange, Céline Martin, Jennifer Martin, France Martine Alcina, Madame Esther Hippolyte Dédé, Docteur Jean-Claude Hippolyte et famille, Ali Hippolyte et Conrad John et famille, Marie-Josette Hippolyte Boutin et famille, Octave Dorissant, Kathleen Dorissant, Philippe Dorissant, Jodeline Dorissant, Yvoise Dorissant et ses enfants, Martin Max Wolf Dédé et famille, Joseph Charles Dédé et famille, René Innocent et Jasmine Dédé, petits-enfants, Muriel Panfil et famille, Fritzbert Panfil, Carmena Étienne Jambard et famille, Jocelyne Louis et famille, la famille Pierre-Louis, Alberta Pierre-Louis et ses enfants, Elsie Pierre-Louis et famille, groupe famille Fatima et Jessica Michel Azor, le groupe Les Dévoués Enfants de Notre-Dame de Fatima, Caroline Charles, son mari et ses enfants, Myriam Charles et son fils, Retina Dorcellus Donatien, son mari et ses enfants, Odina Joseph et Milka, Magulna Lazare et famille, Nicole Dana Goudard, Olivier M. Joël Derifons, recommandé par sa mère Maud Rodney. Action de grâce pour les familles Célestin, Pierre Fontaine, Jacqueline Alexis, Marie-Marthe Terrané, Marie Larac Sénixon. Mes actions de grâce pour la famille Jessie Roland, Fatima Christina Roland, Zahon Nelson, Madame Bernadette Pierre, en l'honneur de Saint-Michel-Archange et de la Vierge Marie, Maître Surette Michel, Mégane Nativita, Juste, Messe de guérison pour Monsieur Madame Jean-Claude Delice, Samantha Pardo, Yves-Rose Dorissan, Lunos Dorissan, Jean-Brital Marseille, Surette Antoine, Gertrude Pierre-Louis Lafontan, Papout Compère, Esther Dédé Hippolyte, Joseph Charles Dédé, Mike Herbie Oriol, Conrad John, Karine Duverger, Kenya Lafont, Mario Campes Delice, Wazlop Delice et ses enfants, Duclair Jean, David Atolese, Nel Silien, Fanor Silien, Maxime Junior, Monsieur Madame Réginald Lenné et leur fils, Monsieur Madame Kirby Lajoie en l'honneur de tous les saints, Ginette Joasséus et son fils, Louise Marie Mondésir et ses enfants, Sean Alain Jones, Maggie Civil Jones, Lou Civil, la famille Como et Montperousse, la famille Dorfis, Volsi et Joseph,
Yana Alexandre, Rosemond Saul, Edith Michel, Cédric François, Akluche Caroline et sa fille, Jacques Mathieu et famille, Pierre-Philippe Saint-Elia, Dr. Wilbert Cadet, Delcam Mathurin, Espa Élisée et famille, Marie-Thérèse Thomas, Pierre-Richard Saint-Ville, Teddy et Audouine, Mélissia Charles et Loisin, Mario Sylvain, Marie-Chantal Maurice, Abel El Moreau, Marie-Joseph, Cécilia Ndry. Messe pour le repos de l'âme de Zilia, point du jour, Octamise Messier, Esta Frédéric, Monique Dorcellus, Prima Mézier, Luc Gérard Hippolyte Plain, Marie-Thérèse Marlène Cyril, Mulsène Cyril, Chérilia Germain, Betty Baron Maurice, Christy Emmanuel Guilafontan, Iram Dorissan, Madame née Sylvia Hippolyte, Monsieur Madame Sivelius Hippolyte, née Alice Saint-Paul, Jean-Michel Hippolyte, Marcel Dédé, Jean-Fritz Boutin et Patricia Boutin, Madame Saint-Amise, Jean-Ti Bonneau, François Dorissan, Éric Henry, Ghislaine Lubin, Ghislaine Grésil, Daniel Angelo, Monsieur Madame Roland Lubin, Marie-Josée Boncoeur, Monsieur Gérard et Madame Paulette Blain, Marie Fauta Gabriel, Fénelon Civil, Chantal Civil, Anne Civil, Anne-Marie Berthe Augustin. Bonne participation à la messe et bonne fin de journée.
Sur toi s'est jeté le regard de ton Dieu. Réjouis-toi, réjouis-toi. Le Seigneur Dieu t'a choisi pour être la mère de son Fils. Tu es toute belle. Avant la naissance, il t'a préféré. Tu as trouvé grâce devant lui. Réjouis-toi, 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 Vierge Marie, toi la comblée de grâce, sur toi s'est rejeté le regard de ton Dieu. Réjouis-toi, réjouis-toi. Venez, vous tous qui craignez Dieu, écoutez que je vous dise tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Mes sœurs, mes frères, nous sommes à notre dernier jour du mois de mai et nous clôturons ce mois de Marie avec la fête de la Visitation. Marie qui s'est rendue chez sa cousine Élisabeth pour l'aider dans son enfantement. Elle était d'abord vieille, mais surtout elle allait apporter un fils, le précurseur. Et nous célébrons aussi le cinquième jour de neuvaine à l'Esprit Saint, cinquième jour du Trentin à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie de ce matin en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De tes enfants ici rassemblés,
Eucharistie, nous prions pour chacun et chacune de nous, pour tous ceux pour qui nous avons promis de prier et qui se recommandent à nos humbles prières. Nous prions d'une façon spéciale avec et pour tous ceux dont aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance, Victoria Saint-Ville, Pierre-Marie Nelson, Ossiana, petit Tom Nelson. Nous prions aussi avec et pour toutes les personnes pour qui cette Eucharistie est recommandée. Les familles Kumo, Montpérous, Volsi, Dorfis et Joseph. Et nous sommes en action de grâce avec Pascal Bourdeau, Joanne, Péjean et famille. Nous prions aussi avec et pour Clotaire Philogène, Conrad John, Marie Maude Victor, Tessilie Blémur, Marie-André Victor, Bernardson Louis-Jean, Marie Armel Victor, Anne-Christie Salima Villiers, Ludmi Villiers, Samuel Jordan Villiers, Jean Cuismer, Victor et famille, Antoinette, Vixamar et famille, Naélie, Longforce, Yolène, Longforce, Hans Hébert, Batelus, Margarita. Nous prions aussi pour le repos de l'âme de Marie-Beth, Anne-Marie Berthe Augustin, Marie-Fausta Gabriel. Dieu Tout-Puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre fils, de visiter sa cousine Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Nous répétons après chaque strophe. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Rendez grâce au Seigneur. Proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le. Sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez. Criez de joie, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi. Le Saint d'Israël. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Le Seigneur est grand au milieu de toi. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Bravo pour Jésus. Bravo pour Marie. Jésus-Christ est grand maître nous. Maman Marie, c'est reine nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie. Tu as cru que s'accomplirait pour toi la parole reçue du Seigneur. Alléluia. Soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1er, les versets 39 à 56. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville
de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chantons et acclamons. On nous fait louange pour qu'on mette là, bravo pour lui, c'est lui qui bat nous la vie, bravo pour lui. On marche dit tout frais nous yo, à la bonne ébauche, au temps passé, faut nous raconter. J'en ligue un bon cœur, en nouvel ange pour qu'on mette là, bravo pour lui, c'est lui qui donne nous la vie, bravo pour lui. Merci. Bien-aimés dans le Christ, nous célébrons ce matin le dernier jour du mois de mai. Du coup, nous célébrons la clôture du mois de Marie, mois totalement consacré à la Sainte Vierge Marie. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour de grâce et de bénédiction. Nous disons merci au Seigneur, d'un côté, de nous avoir donné Marie pour mère, mais surtout, nous disons merci au Seigneur pour la grâce de son accompagnement. L'évangile nous sautant des matins, hein, lui attirer attention sous deux bagailles importants. D'abord, la disponibilité de Marie, deux, le sens de l'autre que Marie gagne la caille. D'abord, moi dit disponibilité de la Vierge. La Vierge, depuis le début, a toujours été disponible pour Dieu. C'est assez intéressant, hein, d'être disponible pour Dieu. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me rendre disponible dans la vie pour bon Dieu? Est-ce que ça arrivait que moi prends temps? Mais bah bon Dieu place que le gagne dans la vie. Non.
Peut-être que ça fait moins dit ça, parce que des fois, on a toujours tendance à croire que c'est bon Dieu qui a besoin nous, mais nous n'avons pas besoin de bon Dieu. Pour qui ça? Je vais l'expliquer samedi. Comme étant donné que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et il nous a créés par amour, et c'est parce que bon Dieu remène qu'il fait le créer nous. Et malgré les fins créées, nous nous prenons mauvais chemin, nous virons d'obali. Bon Dieu a le cherché côté que nous-mêmes nous virons d'obali. D'abord, lorsque l'homme n'a fini de pécher, bon Dieu promet l'homme que les papes quittaient le perdu. C'était ça la promesse que Dieu avait faite à la femme, surtout au détriment du serpent qui lui-même t'est conduit d'âme dans le péché. Et Dieu dit à la femme, sa descendance a détruit, écrasé tête serpent. Et Dieu nous a donné en mari la victoire que toute race monde t'attend depuis le péché de nos grands-parents. Et Marie, Dieu l'a conçue pour être celle que l'y représentait, je ne veux dire, à la fois pour mon Dieu et pour nous-mêmes. L'y fait toujours tout petit. C'est peut-être ça qui fait que lorsque l'ange Gabriel, l'évangile nous lit là, c'est la continuité de l'annonciation. L'ange Gabriel rentrait qu'à Marie, lui dit Marie, ou prends l'enfant enceinte, ou fais un petit petit. Ou après l'île Emmanuel, ça voulait dire Dieu avec nous. C'est petit bon Dieu la pied. Mais il y a quelque chose que l'ange disait à Marie qui était important et qui doit être important dans notre pratique de tous les jours. Comme on a cherché bon Dieu, j'en a vivre la foi nous chaque jour. L'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'initiative vient de Dieu de mettre la main sur la Vierge. Ceci dit, c'est bon Dieu qui a l'initiative de venir vers nous. Non seulement venir chercher, mais venir faire entrer dans l'intimité. Le mal dans, peut-être dans cette histoire, c'est parce que des fois, quand Dieu nous cherche, nous pas toujours rendre bon Dieu, nous pas toujours disponible pour bon Dieu rencontrer. C'est ça qui fait qu'il y a autant de douleurs, autant de souffrances dans notre quotidien. C'est ça qui fait qu'il y a autant de difficultés à être productif dans le Seigneur. C'est ça qui fait surtout qu'il y a des gens qui souffrent en pile. Autrement dit, le monde d'avis, je dis à Livine, tellement bouleversé parce que nous pas toujours rendre nous disponibles pour mon Dieu. Comment nous pas toujours rendre nous disponibles? Bon, je fais ce qui me plaît. Je vis, j'en veux. Je cherche bonheur, j'en veux. Je cherche tranquillité, j'en veux. Je fais ça qui fait plaisir. Et c'est exactement comme ça nous vivons la vie. Mais le plus souvent, c'est après plein de blessures que nous retournons sur nous-mêmes, nous disons, mais il fallait chercher Dieu d'abord et nous rendre disponibles pour Dieu. Mais Marie, intelligente depuis toujours, l'était toujours qu'on est que la gloire, le bonheur, ça, il passe de l'autre côté et c'est dans mon Dieu. À la belle, ça t'a belle, si nous toutes nous t'a accepté et qu'on est que tout ça nous y est, c'est dans mon Dieu le sorti. Et là, bah, bon Dieu place ça dans la vie, lui orienter la vie selon sa volonté. Et c'est ça Élisabeth chantait dans l'évangile. Là. Heureuse celle qui a cru, qui croit dans toute parole qui t'est dit et qui accomplit dans un travail. Pour qui ça fait que moi-même avec vous, on ne peut pas être comme la Vierge, attentif et surtout intelligente et appliquer à ça, bon Dieu, m'a donné. Pour qui ça fait que dans notre quotidien, dans notre aujourd'hui, on a appris que nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu. Pourquoi on a autant de difficultés à accepter d'écouter Dieu? Ça me va le dire là, ça me va t'a blessé, effacé. Il y a un monde qui dit tête Dieu que, bon, j'aime toujours. Qui ça, pour mal laguer comme dans le bail, bon Dieu, tout même, beaucoup même fin vivre la vie. Est-ce que la vous dépend de vous? Qui sont au café pour tête?
On a toujours du mal à faire confiance totalement à Dieu. La Vierge, elle n'est pas seulement disponible, mais elle te fait confiance. Lui faire confiance, dit qu'on est que Dieu ne peut pas non seulement lui tromper, mais bon Dieu, pas jamais virer d'eau bali. Et bon Dieu marchait avec lui, cheminait avec lui, menait juste dans un moment de gloire et bonheur. Et c'est pas n'importe qui. C'est maman bon Dieu, maman sauveur. Et même Élisabeth témoignait ce que l'ange Gabriel disait à Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et petit roi Potéa, c'est dans bon Dieu l'a sorti. Écoutez ce que nous dit Élisabeth. Il dit, alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Seul mieux frère, mieux la bénédiction de Marie, ce n'est pas pour Marie seule, c'est pas pour sans raison qu'on l'appelle la comblée de grâce. Bon Dieu lui a fait grâce pour qu'en Marie, nous-mêmes tous nous joignent grâce. Et c'est la grâce de la Vierge qui nous a libérés. C'est la grâce de la Vierge qui nous a fait sortir du carcan là où le péché l'était enfoncé nous. C'est la grâce de la Vierge qui fait que je dis à capable là. Et c'est grâce à la Vierge qui fait me tourner petite bon Dieu je dis à. Maintenant, en acceptant de devenir la mère du Sauveur, Marie baille possibilité à grâce moun pour le sauver, ce temps va pouvoir pécher. C'est ce que Élisabeth a chanté à l'annonce, autrement dit, à la visitation de la Vierge. Et cette visitation, autrement dit, la visitation de Marie à Élisabeth, était scellée d'une rencontre extraordinaire. C'est la rencontre du Sauveur et du précurseur. Marie, Élisabeth portait dans ses entrailles Sila qui t'apprend à préparer chemin pour Sauveur. On nous dit dans l'Évangile 1. Lorsque Élisabeth entendit la salutation de la Vierge, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans d'elle. Timoun n'en content, il magnifiait le nom de Dieu, il chantait. C'est comme si le ciel et la terre se rencontrent. Nous chantons, nous disons, justice et paix s'embrassent, l'amour et la faiblesse, toutes rencontrées entre Marie et Élisabeth. L'amour, c'est la tendresse de la miséricorde de Dieu qui nous rejoint, c'est le Christ. Dieu est amour. Jésus nous apporte la miséricorde et que Marie offre cette miséricorde à Élisabeth pour dire que Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère. Ce qu'il nous apporte, ce n'est pas la vengeance. À cause de nos péchés, Dieu n'est pas venu pour nous faire payer le mal, mais Dieu attend que nous soyons capables de prendre conscience de nos faiblesses et retourner vers lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, dit Jésus, nous-mêmes qui avons souffert, vous trouverez la paix. Mes soeurs, mes frères, Marie, non seulement l'Irène est disponible, mais elle est allée vers l'autre. Élisabeth, qui avait besoin d'elle à ce moment-là pour l'aider. C'est ce que Marie fait dans mon quotidien chaque jour. Marie vient toujours à notre secours. Nous l'avons célébré le 24 mai dernier. Marie secourt des chrétiens. Elle est là disponible à la fois pour nous accompagner, mais aussi pour nous porter sur ses bras. Quand nous nous retrouvons dans des situations difficiles, quand nous avons souffert, quand nous avons misère, quand nous avons douleur. Moi, je crois que, et je suis certain, je le dis tantôt, situation difficile, nous, si nous acceptons, un, d'écouter Dieu, trois, de nous appuyer sur la Vierge, d'un moment à l'autre, nous avons sorti. C'est parce que nous sommes un petit peu réticents. Nous avons du mal à nous appuyer sur Dieu, nous avons du mal à faire confiance à Dieu, nous faire confiance à tête, nous. Nous pensons que de par nous-mêmes, on peut tout résoudre. Mais regrette, il n'y a pas de vie heureuse sans Dieu. Nous ne pouvons jamais en paix si nous ne mettons bon Dieu dans notre activité. Et faites comme la Vierge. Acceptez dire comme la Vierge. Je suis la servante du Seigneur. C'est pour toute bagaille faite pour moi selon volonté. Pourquoi ça n'a pas fait dans la vie comme ça? Pourquoi ça n'a pas fait dans la vie comme ça?
Qui ça qui est plus important, passé bon Dieu? Est-ce que peut-être, petit moment de peut-être que je ne sais quoi que ma vie aujourd'hui a, le plus passé ça, bon Dieu, il est pour moi? Est-ce que je peux passer toute ma vie, écoutez, à pavaner, pour un plaisir, moi, sans que je ne pas quitter bon Dieu, entrer dans la vie? Mes soeurs, mes frères, le temps est pour chacun et chacune de nous questionner sur l'importance de Dieu dans notre vie. Et de nous rendre disponibles totalement pour que mon Dieu, comme la Vierge, nous transforme et nous invite à entrer dans son intimité, dans son amour fou pour nous. Quittez me dire nos bagailles pour me finir. Marie chantait les louanges du Seigneur dans sa vie. Marie bénit le Seigneur parce que le Seigneur lui a fait grâce. Le Seigneur s'est penché vers elle. En acceptant de pencher vers Marie, Dieu vient nous prendre par la main. Et Marie chante pour toutes les générations cette grâce incommensurable de Dieu. Sœur mieux, frère mieux, pourquoi, mais même avec aujourd'hui, ne pas vivre de cette grâce? Pour que ça nous oblige à souffrir, tant qu'on nous dit, pour que ça nous oblige à prendre chemin misère, douleur. Certes, sur notre chemin, il peut y avoir la souffrance et la douleur, mais de grâce, nous devons savoir que Dieu est amour, tendresse et pitié. Dieu est miséricorde. Ce qu'il nous apporte, c'est l'amour, c'est la consolation pour les cœurs, c'est la paix pour moun kap souffri, c'est libération pour moun ki nan prison, pour moun ki nan situation de misère. Bon Dieu poté ke content pour moun kap tan ke content yo. Et c'est ça Marie, invitez nous toutes et nous chaque nous croit, c'est ça l'invitez nous toutes avec les chanter. Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il est mon libérateur. Il est mon Seigneur. Il vient vers moi. Il m'apporte ça, la consolation et la paix. Mes soeurs, mes frères, disons avec la Vierge, je suis la servante du Seigneur. Je veux me rendre disponible pour Dieu, mais aussi en étant disponible pour Dieu, mais aussi je vais me rendre disponible pour l'autre, qui est mon frère, qui est ma soeur. Comme Marie s'est rendue disponible pour Élisabeth, pas seulement pour l'aider, mais aussi pour l'accompagner. Notre société a besoin d'un mari, pour que nous soyons toujours un mari pour l'autre, pour que nous soyons toujours disponibles pour l'autre, pour que nous soyons toujours prêts à aider l'autre. Si nous ne prenons pas chemin, surtout chemin ça, pour nous aider une l'autre, aller en paix, que nous ne sentions li en sécurité, li sentil en confiance quand moins bon côté ou bien quand au bon côté, nous avons une société qui pas jamb connaît la paix. Et pour que cela puisse être, nous avons besoin d'abord d'accepter de nous mettre à l'écoute de Dieu comme Marie l'a fait. Et je reprends ce que Élisabeth disait à Marie: heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dans les mains, ou répéter tes paroles, ça dans le cœur chaque jour. Heureux celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Et ou même tout, si vous acceptez d'écouter, un pile bagay capable de passer dans la vie. Je dis à pour tout temps qu'il y a temps. Amen. Mes sœurs, mes frères, en ce jour de la visitation de Marie et en ce cinquième jour de neuvaine à l'Esprit Saint ou encore du trentain à Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, tournons-nous vers Dieu et prions avec Marie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoutez-nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Christ, exaucez-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu.
aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Marie, Reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes enfants, ô Marie. Dame du Mont Carmel, priez pour nous.
Notre-Dame d'Alta Grâce. Priez pour nous. Notre-Dame des malades. Priez pour nous. Ô Marie, Marie, Reine du monde, vers toi s'élève nos prières. Entends le cri de tes Fatima, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine de la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Aie pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, ô Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui, en vue de secourir la race humaine, avait voulu que la bienheureuse Vierge Marie devienne la mère de votre Fils unique. Accordez-nous, par son intercession, nous vous en supplions, de toujours éviter la contagion du péché pour que nous vous servions toujours avec un cœur pur. Nous vous le demandons, par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Et maintenant, disposez que nous, pour nous capables d'offrir, bah, bon Dieu, le sacrifice libératoire. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu as aimé, Seigneur, l'empressement de la Vierge Marie. Accepte aussi avec bonté le sacrifice que nous offrons pour notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous célébrons la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière, éternel Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire. Que s'inclinent devant toi la puissance d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, «
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la croix. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre Saint-Père le Pape François, notre Père évêque Max Leroy, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Anne-Marie Berthe Augustin, Marie Fausta Gabriel. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux de nos frères chrétiens séparés. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur chacun et chacune de nous, sur tous ceux pour qui nous avons promis de prier et qui se recommandent à nos humbles prières, sur ceux et celles dont aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance, Victoria Saint-Ville, Pierre-Marie Nelson, Ossiana, petit homme Nelson, qui célèbre aujourd'hui leur anniversaire de naissance, sur tous ceux et toutes celles dont leur nom a été cité au début d'une façon spéciale, les familles Como, Montpérouse, Volsi, Dorfis et Joseph, sur Pascal Bourdeau, sur Joanne, Péjean et famille, sur toutes les personnes pour qui nous offrons cette Eucharistie, en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours et qui se recommandent à nos humbles prières et que leur nom a été cité au début. Et nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
sœur, mes frères, Marie, en se rendant disponible et prête à aider, nous donne un exemple ce matin, nous invite à nous mettre au service de chacun et de chacune de nous. Et c'est le meilleur chemin pour arriver vers Dieu. Et Jésus, notre Maître et Sauveur, nous dit que nous sommes des filles et fils de Dieu. En ce jour de la visitation de la Vierge, vivons en enfants de Dieu et prions pour que nous soyons unis les uns les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Elisabeth,
cousine en qui t'es enceinte là pour l'offrir le service lui. Corps du Christ, sauve-moi. Oh, du côté du sang du Christ, enivre-moi. Oh, du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Oh, bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, rache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes saints, je te loue, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bon Dieu, pour tout ça, fait pour pauvre, li comblé yo à tout ça qui bon, mon riche yo même li la ke yo mes vie, li comblé yo à tout ça qui bon. Merci, mon Dieu.
chanter louange bon Dieu, qu'aime danser à contentement, li béni moun qui fait volonté, li maudit sa qui comprend yo puissant, li béni moun qui fait volonté, li maudit sa qui comprend yo puissant. Magnificat, magnificat, merci bon Dieu. Que ton Église te magnifie, Seigneur, pour tant de merveilles, comme Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse en discernant le Christ avant sa naissance, qu'elle l'accueille avec joie dans l'Eucharistie, ce même Christ toujours vivant, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions avec le cinquième jour de neuvaine à l'Esprit Saint et nous implorons sur l'Église, sur chacun de nous, l'Esprit de l'intelligence pour illuminer les consciences. Prions. Esprit Saint, où c'est lumière la vie, moi, où c'est consolation, moi, t'en prie pas la guerre. Songez bien. Amen.
voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai une nouvelle alliance avec Israël. Vous êtes une lettre du Christ, écrite avec l'Esprit même du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais les tables vivantes de vos cœurs. Toute œuvre du Saint-Esprit est également à divers titres, un acte du Père et du Fils, dont un acte trinitaire. Dans nos prières de demande et de louange à l'une des personnes divines, ne l'oublions pas. Ainsi, soyons nous-mêmes comme une lettre d'amour du Verbe incarné, écrite avec l'Esprit Saint et envoyée au Père pour sa plus grande gloire et sa plus grande joie, immédiatement partagée aux deux autres personnes divines et plus tard au ciel, à leur humble créature communiante dans l'amour. Prions. Esprit qui procède du Père et du Fils, toi qui visita sous forme de langue de feu les disciples rassemblés à la Pentecôte, viens à présent illuminer et embraser nos cœurs assombris. Fais de nous des témoins fidèles et pacifiés. Donne-nous de toujours correspondre à tes inspirations d'amour, à la plus grande gloire de la Sainte Trinité, Esprit Saint Consolateur. Nous te confions également les tensions suivantes. Nous prions pour les responsables de l'Église d'Haïti, les évêques, les prêtres et les diacres. Écoute notre prière, vois notre cœur et exauce de la manière qui te plaît, car nous savons que ton amour est sans limite. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, sanctifiez-nous. Esprit Saint, fortifiez-nous. Et nous prions avec Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, notre patronne, ce cinquième jour de prière, cinquième jour de louange et action de grâce. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous et le Verbe s'est fait chair. Et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Prions pour nos frères défunts, nos frères et sœurs défunts, spécialement pour les âmes abandonnées du purgatoire. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Page 11, prions. Ô Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, nous t'offrons d'une manière spéciale nos familles et tous les pays qui ont particulièrement besoin de ta présence. Ô Mère de miséricorde, aide-nous à vaincre le mal, à vaincre la menace du mal qui s'enracine si facilement dans le cœur des hommes d'aujourd'hui et qui, avec ses effets incommensurables, pèse sur notre époque et semble fermer les voies vers l'avenir de la faim et des persécutions. Livre-nous de la guerre nucléaire, de toutes sortes de guerres, des livres-nous de la haine et de la dégradation de la dignité des fils de Dieu, des livres-nous de tous les genres d'insécurité dans la vie sociale, nationale et internationale. Délivre-nous. De la facilité avec laquelle on piétine les commandements de Dieu. Délivre-nous. De la tentative d'enterrer dans les cœurs humains la vérité même de Dieu. Délivre-nous. Des péchés contre l'Esprit Saint. Délivre-nous. De la pandémie du coronavirus et du kidnapping. Délivre-nous. Des catastrophes naturelles. Délivre-nous. Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de souffrance, chargé de la souffrance de notre société entière, que se révèle encore une foi dans l'histoire du monde, la puissance infinie de l'amour miséricordieux, qu'il arrête le mal, qu'il transforme les consciences, que dans ton cœur immaculé se manifeste pour tous la lumière de l'espérance. Je veux encore t'adresser une prière spéciale. Ô Mère, qui connaît les angoisses et les préoccupations de tes filles et de tes fils d'une manière pressante, je te supplie d'intercéder pour Haïti et pour la protection de nos familles. Je te supplie encore d'une façon particulière pour que prenne fin le phénomène de l'insécurité qui ravage notre pays. Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours, secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours, veillez sur vos enfants.
perpétuel secours. Merci à nous chaque. Et un merci spécial à nos internautes. Alors, matin, nous avons gagné 1800 moun live depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous battons bravo pour eux. Et nous leur souhaitons plein de bénédictions, surtout en ce jour de la visitation de la Vierge. Nous demandons bon Dieu, pour bon Dieu, combler eux avec grâce et bénédiction. Nous souhaitons aussi à tout le monde qui a célébré l'anniversaire naissance jeudi, joyeux anniversaire. Victoria Saint-Ville, Pierre-Marie Nelson et Ossiana Petit-Homme Nelson qui a célébré l'anniversaire naissance. Nous souhaitons un joyeux anniversaire et nous chantons pour manifester notre affection. Célébrer l'anniversaire naissance aujourd'hui. Et je dis à tout, on a recommencé avec jeûnant. Ce n'y va depuis après fête là, santé ne pas permettre lui. Alors, lui dit jeudi, il a recommencé. Alors, on a gagné un jeûne plus la messe, mais tout, jeudi, comme à l'accoutumée. Alors, nous dit merci à nous toutes, merci à nous chaque. Ouais, jeudi, elle m'a dit. Elle me dit jeudi et jeudi. Ça veut dire que nous avons commencé normalement. Jeudi, nous avons gagné un jeûne normalement, comme à l'accoutumée. Et puis, jeûne plus la messe. Alors, nous dit merci tout avec nous toutes et nous chaque. Merci pour la présence ce matin. En grand nombre, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Et nous souhaitons à tous et à chacun bonne et sainte journée. Merci mon Père, à vous aussi. Je dis à tous, c'est cinquième jour neuvaine à l'Esprit Saint, cinquième jour de notre trentaine à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous faisons moi à la prière avec Maman Marie, Maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour que, un, nous rappeler nous que patronne nous c'est perpétuel, deux, nous gagnons pour nous accrocher sous bras Maman Marie, même Jean avec le petit Jésus. Bonne et sainte journée. Merci mon Père, à vous aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les enfants ont les yeux.
vous en rêviez, vous avez peut-être même prié pour l'avoir. Rassurez-vous, grâce à la descente. Cet espace merveilleusement accueillant et approprié que vous vouliez pour acheter vos articles religieux existe désormais. Son nom, la Procure Divine. Fonti campé là et puis choisi sauvelé. Des vêtements et ornements liturgiques aux vases et linge sacré en passant par les statues, statuettes, cierges et porte-cierges, images et icônes, tableaux d'art sacré, Bible ou encore des livres religieux ou abjoint tout. Que vous soyez leader religieux, fidèle ou simple croyant, vous pouvez tout vous procurer dans un seul endroit. La Procure Divine. Qu'on y a, ou pas besoin de placer comme un lot bord de l'eau. Et puis, tant de plaisir, c'est même pour recevoir. À la Procure Divine, vous avez tout sous la main. N'est-ce pas tout simplement divin? Passez au numéro 75, à l'angle des rues Grégoire et au G. Pétionville, ancien local de chez Yvette, pour vous faire plaisir. Ou appelez au 3320-0303, 3283-0707 ou 4402-0909 pour toute information. La Procure Divine, tout pour l'Église. Tout pour l'Église. Voici votre accompagnateur. Il est là, dans les moments de gloire. Il est là, il est mon ami. Dans l'adversité. Et même dans la solitude. Un album de 10 morceaux du révérend père Rasnik Merlet avec le groupe Amen, avec la voix du révérend père Marc-Henri Simé. Il est mon libérateur, il marche devant moi. Jean-Jean Roosevelt. Oh no, disponible en Haïti à la Procure Divine au numéro 75 angle rue Grégoire et Auger, Pétionville. Contact 44 02 09 09 33 20 03 03. Je ne suis pas en Haïti. Pas de problème. Votre cadeau est disponible à Miami. Et si vous êtes à Boston, Connecticut, Canada, New Jersey, la France, par moyen de shipping, vous avez votre cadeau. Il vous suffit de taper 305 785 31 70 et... Il est là.